I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, map here. Track in. Pack, map here. In. Track here. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dimanche et c'était pas prévu. Je me suis dit bah si je faisais une petite vidéo un dimanche avec moi. Donc c'est pas une routine du dimanche parce que tous les dimanches ne se ressemblent absolument pas. Tous les jours ne se ressemblent absolument pas, ça c'est certain. Mais voilà, je me suis dit bon bah je vais prendre la caméra et je vais vous embarquer avec moi ce dimanche. Donc là il est 10h40. On est en train de voilà, je suis en train de marcher tranquillement avec avec Alba qui fait tout. Comme vous avez vu dans les premières images, j'ai bouquiné un petit peu ce matin mon livre qui s'appelle The Daily Stoic. J'en ai déjà parlé énormément sur Instagram, donc j'aime bien partager des petites citations de temps en temps. Et donc c'est un livre de méditation, donc une page par jour pendant toute l'année. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui dimanche 21 juin, la méditation c'était aller marcher, en fait, tout simplement. C'était très approprié et il disait justement voilà, quand on se sent un petit peu triste, hein, quand on se sent déprimé, quand on se sent submergé, parfois voilà, moi avec Alba parfois quand elle était vraiment toute petite je me sentais submergée, j'avais l'impression je me sentais comme j'allais me noyer quoi, et du coup je la prenais, on allait marcher et après ça fait un bien mais tellement, ça fait un bien fou quoi. Et du coup, moi je vous le dis tout le temps, mais aller marcher c'est nécessaire pour moi. Et aujourd'hui c'était vraiment ça la méditation. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, allez marcher. Que vous vous sentiez déprimé, que vous vous sentiez triste, que vous ayez juste envie de faire un peu d'exercice, faites une longue marche. Que vous ayez une panne d'inspiration, un manque de créativité, quoi qu'il arrive, allez marcher. Donc quand vous regardez cette vidéo, quoi qu'il arrive, aller marcher, ça ne peut être que bénéfique. Et ils ont très bien écrit aussi que les décisions prises pendant une marche ont plus de valeur que les décisions prises à un autre moment, par exemple affalé dans son canapé, devant un PC. Voilà, c'est les meilleures décisions sont prises quand on a le temps de la réflexion, parce que quand on marche, et ben on est avec ses pensées. De retour à la maison, il est 11h15, j'ai un petit peu faim et comme hier on était justement dans notre future maison avec les proprios, enfin avec la propriétaire, on était dans la future maison parce que maintenant on s'entend bien aussi avec eux, c'est nos voisins, ils habitent juste là. Donc on a passé la soirée chez eux avec plein d'autres personnes dont ma sage-femme qui est la meilleure amie aussi, voilà, c'est un village hein, le monde est petit. Du coup on a passé une super soirée et j'ai pas beaucoup mangé ce matin et j'avais préparé des petits cookies pour le dessert là-bas et puis visiblement ils nous les ont ramenés parce que... ils n'ont pas tout mangé. Mathieu il est rentré à 2h du matin, moi à minuit. Donc Mathieu a dû ramener ça, je présume. Voilà, donc je vais me manger un petit cookie. Il est l'heure de manger, il est 13h et j'ai vraiment la dalle. Donc pour ce midi ça va être très simple. J'avais deux bananes plantain, non même plus, j'avais trois bananes plantain qui étaient au bout du Rolls. Donc il fallait vraiment que je les fasse. Et c'est dans ces moments là qu'ils sont de toute façon meilleurs, puisqu'ils sont très 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 tout mou quoi, j'adore ça. Et on va faire ça avec une omelette à l'échalote et aux carottes râpées. D'habitude je mets les carottes râpées de côté, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de manger des carottes râpées et là j'ai envie plutôt de manger différemment, donc je vais faire une omelette avec. Et comme ça en plus ça permet à Alba de manger exactement la même chose que nous ce midi, c'est-à-dire du coup une omelette, les carottes râpées qui auront bien, comment dire ça, voilà, qui auront, merci Mathieu, qui auront bien ramolli, les échalotes aussi, comme ça il n'y aura pas de morceaux trop compliqués pour elle à mâcher. Donc je vais bien faire cuire d'abord les échalotes avec les carottes et j'ajouterai l'appareil, donc les œufs battus au dernier moment. Je mets pas de sel dedans pour que Alba puisse en manger, je vais mettre plutôt pas mal d'épices, du cumin, des choses comme ça.
Et je vais garder une partie aussi des carottes râpées pour bah, les meal prep de la semaine. C'est vrai que depuis quelques temps je fais pas beaucoup de meal prep, mais on va dire que je fais des bases comme ça. Donc là je vais prendre une partie de ces carottes pour les mettre dans une boîte en verre. Et ce matin, pendant qu'Alba prenait son petit déjeuner, j'ai préparé des pommes de terre à la vapeur. Comme ça, ce sera pour les deux prochains jours, donc lundi et mardi midi. Ce sera une salade de pommes de terre. Vous avez la recette dans notre e-book d'été et également sur notre chaîne YouTube. Et voilà, j'ai préparé ça ce matin, comme ça, elle prenait son petit déjeuner. J'ai préparé les pommes de terre, ça prend tout et pour tout, allez, 15 minutes. Et comme ça, c'est prêt. J'aurais plus qu'à les couper en morceaux, rajouter du maïs, rajouter du thon, rajouter des légumes. Et puis ce sera good. Et ensuite je ferai, mais plutôt dans l'après-midi, je vais faire des légumes grillés, enfin des légumes au four quoi, des légumes rôtis. Du coup c'est prêt pour Alba à la fin, donc là elle est en train de crier. C'est des petits légumes qu'on ne met plus vraiment en purée parce qu'elle aime plus vraiment ça. Et là elle a un petit peu d'omelette carotte et un petit peu d'aloco, donc on va lui donner tout ça. On va commencer par la purée qui est pas très chaude, alors que ça c'est encore un petit peu chaud. Et je vais pouvoir faire nos assiettes à nous maintenant. Alba, regarde, t'as tout mangé? T'as tout mangé? Pas plus. Y'a plus? C'est fini? Bah oui, c'est fini. Les deux. C'est collé. La loco. Recoucou, il est 14h56 précisément. Alba est dans son lit, elle cherche là le sommeil, donc elle est apaisée. On lui a mis un petit peu de Mozart dans la chambre avec avec la caméra là, qui est une lollipop et on peut mettre de la musique, dont Mozart, Chopin, etc. Donc on lui met ça, ça l'apaise. Comme ça, elle va s'endormir et moi, je vais monter faire une sieste. Parce que même si je fais plus de sieste la semaine maintenant, si vous vous souvenez, je vous avais dit en janvier, février, mars à peu près, que j'ai besoin de faire des siestes tout le temps avec elle. Et s'il y a bien un conseil que je donnerais à des mamans, ou en tout cas à des mamans qui viennent d'accoucher ou qui ont vraiment un tout jeune bébé, c'est de faire des siestes en même temps que son bébé. Moi, ça m'a sauvé la vie parce que quand on dort pas vraiment la nuit, que les siestes pour son bébé c'est compliqué aussi, dormir avec son bébé bah, ça l'apaise et en plus de ça bah, nous on peut se reposer aussi. Mais c'est vrai que depuis maintenant je dirais un mois je fais plus de sieste la semaine, j'en ressens plus le besoin parce que si je fais une sieste généralement après j'arrive plus à dormir la nuit, c'est que du coup bah, j'ai suffisamment d'énergie pour la journée. Par contre en revanche, je déteste quand on dit par contre et je dis par contre. J'ai toujours besoin de ma sieste du week-end. Hein. Et la sieste du dimanche, elle est obligatoire. Moi, je fais la sieste depuis que je suis gamine et j'ai jamais enlevé ce truc. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Moi, j'aime pas faire la sieste et tout. » Moi, la sieste, c'est un truc important. Et notamment le dimanche. Donc là, j'attends qu'elle s'endorme tranquillousse. Et dès qu'elle a fini de bouger dans tous les sens, je veux être sûre qu'elle s'endorme. Tac, je regarde encore une fois. Ouais, elle est toujours allongée, à sucer son pouce avec son doudou. Donc je pense que c'est sur la bonne voie. Et ben, je vais monter aussi et bouquiner un petit peu et faire une petite sieste. Elle dort. Recoucou, il est 17h05. Alba s'est réveillée à 16h45. Donc elle a fait un gros dodo toute seule. Et moi aussi. On s'est réveillé quasiment en même temps. Donc c'était parfait. J'ai super bien dormi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me réveille en étant encore hyper motivée. Du coup, en se réveillant, bah, je lui ai fait une tétée. Comme à chaque fois après sa sieste. Et là, avec Mathieu, ils sont partis tous les deux marcher un petit peu. Donc ils vont marcher une bonne heure généralement. Ils vont voir les vaches, etc. Pendant ce temps, moi, je vais finir les meal prep. Et faire ma séance de sport juste après. Donc voilà, une bonne heure et demie comme ça. Faire mes meal prep, moi j'aime bien, ça me détend un petit peu. Ça, voilà, je vais regarder une vidéo YouTube ou peut-être une série, un truc comme ça. Qu'est-ce que je vais regarder quand il n'y a plus maintenant L'amour est aveugle? C'est ce que je regardais avant quand je préparais mes meal prep. Je vous conseille ce truc. J'ai trop aimé cette télé-réalité sur Netflix. Du coup, je vais regarder ce que je vais regarder en même temps que je prépare le meal prep. Mais je vais d'abord aller dans le jardin pour cueillir ma première courgette. On n'a pas eu beaucoup, franchement, les courgettes, c'est pas...
Autant les tomates, on en a plein. Autant les courgettes, c'est pas ouf. Pour vous faire un petit check-up du potager, donc là ce sont les tomates Primagold. Donc on en a déjà mangé et cueilli quelques-unes. Elles sont en fait toutes jaunes, comme ça. Donc ça, on en a beaucoup, ça a super bien pris. C'est un truc de fou, j'aime trop. Ensuite, ici, on a les cœurs de bœuf. Donc ça aussi, elles commencent là tout doucement à rougir, tout doucement. Elles sont sublimes, elles sont énormissimes. Trop belles. Vivement qu'elles arrivent. Là, pareil, ce sont les tomates cerises qui commencent tranquillement aussi à rougir. Et je peux vous dire que ça sent super bon les tomates là comme ça. Et ici on a les fraises, mais de toute façon il n'y en a plus puisqu'on en a mangé quand même pas mal. Je pense qu'il n'y en a plus. Ouais, je pense qu'il n'y en a plus là tout de suite qui sont mûres, mais pas mal. Et enfin on a les poivrons qui commencent à prendre. Vous voyez, il y en a deux là. Trop chou. Et là, ce sont donc les courgettes. Et franchement, ouais, on n'est pas... Je pense que la terre, on les a mis directement dans notre... dans le jardin, comme ça. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire comme ça. On aurait dû les mettre dans les bacs, comme on a fait pour le reste. Donc là, j'en ai une grosse, mais je doute qu'elle soit vraiment... bonne. Ouh là là. Alors, attendez, j'ai besoin de mes deux mains, donc on verra ça après. Et pareil, là... Il n'y a que ça. Il n'y a que ces deux courgettes là comme ça. Donc je pense que les courgettes, c'est un fail pour cette année. On verra pour l'année prochaine, mais dans notre nouvelle maison du coup. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. City, take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run. Alors il est 18h, donc j'ai bien avancé. J'ai préparé pour les petits déjeuners, donc pour moi, des petites galettes comme ça de flocons d'avoine. C'est ma grande soeur qui m'a dit de préparer cette recette pour notre futur projet, pour tester. Donc je vais voir ça. Et manger ça avec du fromage frais style Saint-Mauré et de la truite fumée. Donc ça, c'est prêt pour les petits déj. Je vous ai dit que ce matin j'avais fait des pommes de terre pour une salade de pommes de terre. Du coup les carottes râpées, ça ira aussi je pense dans la salade de pommes de terre pour lundi et mardi midi. Il restera plus qu'à ajouter par exemple du maïs, rajouter des olives, du thon, des choses comme ça. J'ai préparé également 6 œufs durs, pas de choses précises pour le moment pourquoi je les ai faits, mais c'est pratique d'avoir des œufs durs, peut-être un peu pour la salade de pommes de terre, ou le soir comme ça, quand on n'a pas d'idée de ce qu'on veut manger, bah, des œufs durs c'est sympa, et puis c'est aussi bien pour Alba, comme ça je lui en coupe un demi, que j'écrase grossièrement, et elle adore manger les œufs comme ça à la main, donc c'est parfait. J'ai encore au four, mais je vais sortir les légumes rôtis. Ça aussi, j'ai pas seulement d'idée avec quoi on va le manger. Peut-être dans un sandwich style croque-monsieur, avec du riz, de la sauce sriracha, tout ça. C'est toujours bien d'avoir quand même une base de légumes. Là, je suis en train de faire cuire à la vapeur des brocolis. Donc là, c'est pour Alba, pour ses purées en fait. Je continue quand même à lui faire des petites purées. Mais c'est vrai qu'elle mange avec plus de plaisir tout ce qui est en morceaux. Mais je lui en fais quand même un petit peu et puis elle mange un petit peu. Et du coup je vais les mettre donc d'abord pour lundi, mardi, je vais les laisser au frigo. Et s'il y en a encore un peu qui reste, je mettrai au congélateur pour le reste de la semaine.
Là, j'ai préparé de la farine de flocons d'avoine. Donc, c'est simplement des flocons d'avoine que j'ai mixés. Je sais pas trop quelle quantité j'ai mis. J'ai mis un petit peu au pif. J'ai mon œuf qui est prêt. Et j'attends que mes légumes, donc carottes et petits pois, cuisent dans le baby cook là que j'avais acheté quand Alba a commencé la diversification. Il y a à peu près, elle avait 5 mois, je crois. Du coup, j'attends que ça cuise pour pouvoir faire des petites galettes de légumes pour qu'elles puissent manger ça à la main. Donc, je vais écraser grossièrement les légumes. Un petit peu de flocons d'avoine comme ça, un œuf, des épices style curry, cumin, des choses comme ça. Et je vais faire cuire un peu à cette façon-là en fait, comme ça. Comme ça elle pourra manger ça avec ses petites mains. Et ensuite, une fois que le baby cook sera disponible, je vais lui faire une purée banane rhubarbe et les meal prep seront prêts. Finalement, vous voyez, c'est pas vraiment des meal prep, là c'est plus du batch cooking parce que j'ai pas fait de plat, j'ai pas fait de plat entier, j'ai plus fait en fait des ingrédients. Voilà, j'ai préparé des bases et comme ça il y aura plus qu'à composer les assiettes au fur et à mesure les deux premiers jours, hein. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup lundi, mardi et ensuite le mercredi, je fais pour mercredi, jeudi, c'est ce qui me va le dimanche. En ce moment. I could change, I really hope you don't walk away. What if I showed you this love could be easy? Allez, il est 19h précisément, ça fuse à toute vitesse les heures. Incroyable. Donc je vais faire 20 minutes de danse. C'est une d'entre vous sur Instagram qui m'a conseillé cette chaîne. Ça s'appelle Afro. Non. Ça s'appelle Afri Fitness, tout attaché. Et elle fait en fait que des workouts d'à peu près 20 minutes sur le style un peu afro et dans le style de la danse. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop, moi, faire tout ce qui est genre juste du sport en faisant des abdos, des squats, tout ça. Je suis pas une grande fan. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime vraiment tout ce qui est danse, mais en même temps en faisant des squats, mais en dansant, tout ça. Vous voyez le concept? Donc je vais faire ça tout de suite, après donner le bain d'Albam. Et puis ensuite, on va dîner et puis au dodo, quoi. Voilà. Plaisante. Je transpire comme jamais, c'est 23 minutes mais archi intense, en plus il fait chaud donc je transpire comme en tout cas je vous recommande 1000 fois, c'est super super super, les pas sont plus faciles que la danse de Pop Sugar où les pas... On a peur un peu de s'en mêler les pinceaux. Là, franchement, ce n'est pas hyper simple, mais vraiment hyper cardio. J'ai les cuisses qui sont complètement en feu, les abdos pareil. Franchement, je vous recommande à 1000%. Donc moi, je vais prendre ma douche tout de suite, même si je suis en transpiration de ouf. Je vais d'abord préparer le bain d'Alba pour qu'elle prenne son bain. Et moi, je prendrai ma douche quand elle aura fini de manger. Voilà. Allez, on va passer à table. Je voulais juste vous montrer donc les meal prep une fois que c'est finalisé. Comme je vous ai dit, petit déjeuner, le dîner, je présume. La salade de pommes de terre, la purée donc banane rhubarbe pour Alba. Il y en a 200 grammes, donc ça lui ira pour lundi, mardi. Les petits cookies que j'ai fait hier et il en reste, donc ce sera pour les petits desserts. Les brocolis, les œufs,
La galette, donc là il y en a une moitié puisque Alba est en train d'en manger là pendant que je vous parle. Et elle adore, elle dégomme ça là, mais un truc de fou quoi. Elle adore, c'est génial, je suis trop contente. Et les carottes râpées. Donc voilà pour le meal prep de ce dimanche. Plutôt même le batch cooking. Et là on va dîner, c'est pizza party ce soir avec des concombres. Pizza, chorizo, mozzarella. Ça a l'air trop bon. Voilà, il est 22h20, Alba vient dormir, vient de s'endormir. C'est toujours très compliqué, entre guillemets compliqué. Mais il faut compter entre une demi-heure et 50 minutes pour qu'elle s'endorme. D'habitude, c'est Mathieu qui se charge de l'endormir en portage. Mais comme il s'est bloqué le dos, bah du coup, je suis avec elle dans le lit. Et puis, on joue d'abord, et puis après on se décale, hein, et puis après... Elle lutte un petit peu et puis après elle s'endort. Donc voilà, là c'est bon. L'aspirateur robot est programmé pour pouvoir nettoyer toute la maison. C'est vraiment le meilleur investissement qu'on ait fait pour le ménage. C'est cet aspirateur robot qui fait aussi serpillière. Parce qu'avec Alba qui mange elle-même, du coup tout tombe par terre. S'il faut tous les jours passer la serpillière... voilà quoi. Donc du coup on a investi avec Mathieu dans un aspirateur robot serpillière et on le passe en fait, enfin il passe automatiquement tous les jours à 23h. Comme ça nous on dort, on l'entend pas et le matin quand on descend c'est tout propre. Donc voilà, ça c'est programmé. Il est temps d'aller au lit. Moi je vais regarder un épisode de la saison 3 de Marcella, j'adore cette série. Et puis au dodo. Et ce sera demain le début d'une nouvelle semaine. Donc je vous laisse là, j'espère que j'ai pas trop parlé. Moi qui avais dit à Mathieu que j'avais pas grand chose à partager le dimanche. En fait je me rends compte que j'ai beaucoup filmé, donc j'espère que ce sera pas trop long et pas trop ennuyeux. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling to you.